Yon gros salutation pour nous tous. Yon l'autre fois encore content avec vous. C'est toujours un plaisir ou compte ça déjà pour nous débattre ensemble avec pour nous partager ensemble avec ou même ou gen mou pour vous dire à travers commentaire ou ka quitter commentaire pour nous, on a répondre, on a fait débat ensemble. Pas oublier si passe pour la première fois boy ici ou ka quitter un like, un commentaire et surtout abonner à channel là parce que c'est ça qui permet nous rester en vie. Je t'en une balle ou deux, massacre et pays voisin qui fait son nom en 1937 et que un pile haïtien pas bien aimé de ça. Bon. Comme d'habitude, on va essayer concis et précis pour apporter beaucoup plus d'informations pour vous concernant le massacre. Si tout ça nous a défilé dans l'écran, il est Raphaël Léonidas Trouillot. Nous avons dit que c'est un dictateur. Au café de recherche approfondie sur lui, ou avons ça nous dit là, c'est ça qui a mis. Son dictateur dominicain. Et c'est un xénophobe. Un xénophobe, c'est un monde qui déteste l'étranger. C'est une gabalie comme ça. Mais si tout ça, il était gagné contre haïtien qui a travaillé dans champ la Kaili, dans plantation la Kaili, et il a déclaré que faut le résoudre problème ça, le ou la façon faut qu'il résoudre problème ça. Et bien, il pas pas tarder. Le 2 octobre 1937, il pral ordonner pour massacrer majorité haïtien qui a vivre dans zone ou du moins dans la République dominicaine. Qui ça le fait? Il ferme frontières d'abord, frontières de pays yo, pour nous pas pour moun k'ap viv nan pays a pas sauvé et il commencé avec milice li massacrer des haïtiens. Yo massacrer haïtiens avec couteau, yo massacrer haïtiens avec manchette et yo massacrer haïtiens avec cartouche. OK? Yo té utilisé plusieurs manières diversement et façons pour yo té exécuter nous. Et massacre ça jusqu'à présent, c'est plus gros massacre qu'on a dit jusqu'à date qui était dans l'histoire de pays ça. Malgré diverses démarches faites, mais on n'est pas abouti. Raphaël Léonidas Trouillot, pas de l'eau haïtien, parce que selon lui-même, il était pensé que parce que haïtien remet travail, peuple dominicain un petit genre balance entre deux, il pas de l'eau pour haïtien ou te vin mettre dominicain au dehors dans le pays. Mais c'est en ce sens, il ordonné massacre ça. Et massacre ça, le fait, il dure à peu près une semaine, il commence le 2 octobre, il finit 8 octobre 1937. Il a massacré entre 20 à 35 000 haïtiens dans l'espace d'une semaine. Et la majorité des haïtiens ça a exécuté, côté de la rivière, la rivière d'Arabonne. La rivière, on a regardé là, c'est lui-même qui sépare deux pays. D'Arabonne, c'est la rivière qui est frontière entre lui-même avec Haïti. Et bien, c'est pour ça, depuis l'heure, rivière ça a tout porté dans massacre là. Selon la petite histoire, rivière est d'abord, ça c'est vrai non, mais après massacre là, rivière yo pa non massacre parce que tellement moun yo te massacre, haïtien te massacre, c'est dans rivière ça ou te la gueule. Des années plus tard, Franklin Delano Roosevelt avec Stadio Vincent t'a pral mandé des dommages. Mais t'a pral mandé $720,000 dommage comme ça pas vraiment bail Dominique t'a pral bail seulement $520,000. Yo des dommages chaque moun qui mourit, chaque moun qui mourit par un recevoir $30. Et moun ki survécu ça te prend coûte couteau pas mouri yo ba moun sa yo 50 centimes à la rigueur gen livre qui rapportait que c'est 30 centimes mais selon ça nous jeune c'est 50 centimes yo ba moun ki pas mouri tu vois mais réalité pays nous le on président négocier mal négocier le pas gon diplomatie qui fort en bien conséquences là. OK, ben voilà, bon c'est que ti vidéo ça te fait nous plaisir. Nous avons toujours quitté un commentaire des faits, des corrections pour moi. Et moi, j'ai toujours fait le plaisir pour me partager la vie. C'est un plaisir pour nous de portez-nous bien. Bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.